Bonsoir, chers petits observateurs. Comment tu vas? Bonsoir, chers petits observateurs. On a un petit peu de retard, on s'excuse. C'est bien parce qu'on est hyper calme, parce que d'habitude on dit ouais, on va trop vite, et là tu me fais Mais bonsoir, parce que je t'ai dit, faut que tu. bonsoir, Parce bonsoir, que Simon, qui est petit. aux manettes, nous a dit qu'il faut attendre 3 secondes. Et je crois qu'on Voilà. n'a pas attendu 3 secondes. Mais j'espère qu'en tout cas, vous avez eu notre bonsoir. On va vous le refaire parce qu'il y a des gens, ils arrivent juste là. Bonsoir. Bonsoir. Tu sais, ce soir sur POA, c'est Ce qui est bonsoir. bien, Voilà. c'est que dès qu'on le lance, parce qu'avant on mettait 10 minutes avant de le lancer, après 5 minutes, là on met 3 minutes, j'ai l'impression que c'est un bon compromis, les gens sont déjà dessus Ouais, parce que nous, ce qu'on vous dit pas, c'est que Julien, Simon, ils sont déjà là depuis une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, Ouais, font des réglages, enfin bon, voilà quoi. on prépare le live et tout, parce que mine de rien, c'est un peu préparé. Et là, Préparé techniquement, Ouais, et puis ouais. aussi en termes de sujet, parce que forcément, ce sujet sur Volkswagen, on avait envie de le faire depuis pas mal de temps, parce que sur les différents essais, mais j'ai presque envie de dire peut-être depuis 3 ans, on a quelque chose un peu qui est en train de se passer avec Volkswagen. Et nous, quand on filme, je veux dire, voilà, c'est figé, on a vos commentaires, on les lit. Là, on a envie d'en parler avec vous, donc on a une bonne heure pour en parler Voilà. ensemble. Mais avant, Les petites news. les petites news du bar, c'est Les ça que petites news du j'aime. bar, Moi, voilà. j'aime bien, c'est un peu le côté, c'est les cacahuètes, c'est l'apéro, mais qu'il n'y en ait Et ça pas finit à de l'eau. verre d'eau. Oui, on est très, très sérieux. Bon, voilà. Mais à tout honneur, toi, Tu Julien, commences? oui, parce que je sens que tu es plus inspiré que moi. Enfin, j'en ai, hein, je rassure. Alors Il se passe déjà, des choses tout le première temps. chose, c'est fou comme aujourd'hui, on a fait le Renault Captur la semaine dernière, et c'est fou comme le groupe Renault a la main, tu l'as dit quand on a tourné le Captur, et j'aurais pu faire 5 news sur le groupe Renault. Juste aujourd'hui, je vais en faire une et demie, on va dire. Première chose, alors c'est même pas vraiment une news, c'est on en entend à peine parler, mais petit à petit, et je trouve ça très intéressant, c'est la Clio 6, qui n'est pas pour tout de suite, hein, ça Ouais. sera dans 2 ou 3 ans. Ils commencent à avoir des petites choses qui se distillent au fur et à mesure, et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont repartir d'une base de Clio 5. Ils vont prendre un petit peu de la 4L, un petit peu de la R5, tout ça en fait pour baisser les coûts au maximum et pour que la voiture ne soit pas trop chère. Et attention, ta 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 ta, elle va être en thermique. Et ça, à la 2035 qui arrive quand même à grands pas, je trouve que c'est assez fort et osé de la part du groupe Renault de se En dire fait, que. c'est logique, c'est dire bon, si vous allez sur les icônes. C'est Renault ça. 5, Renault 4, 100% électrique. Mais sur la Clio, on la garde avec, il y aura donc, du thermique. C'est de Ouais. baisser les coûts, de faire le plus possible Et je trouve la ça voiture malin. normale, entre Ouais, et guillemets, puis moins. le côté où finalement, on l'a vu, la Clio 5, on l'a encore essayé il n'y a pas longtemps au salon POA, elle, en termes de châssis, les moteurs, l'hybride, elle est encore très au fait. L'un dans l'autre, garder ce châssis et la mettre un peu plus au goût du jour comme un gros restylage et qu'elle soit, je ne sais pas, à 17-18 000 euros, je trouve ça vachement Ben c'est bien. ça que moi je retiens, c'est-à-dire qu'ils ont une vision, mais on en parlera d'ailleurs, c'est intéressant de comparer leur stratégie par rapport à Volkswagen, mais on a le sentiment que Dimeo, il a vraiment une vision à 360 sur toutes les questions. Ouais, tu Une m'étonnes. fois, il avait dit, je trouvais ça pas mal, il a dit, moi je voudrais que la voiture soit plus le problème, c'est qu'elle fasse partie de la solution des mobilités de demain. C'est joliment Et dit, le hein? coût étant, voilà, enfin, on aura le temps d'en reparler, c'est dans 3 Ouais. ans. Moi, c'est dans 10 jours, mon cher Julien, ma news. Vas-y. J'ai pas de photo. À ma connaissance, il n'y a pas eu de fuite sur l'Alfa Romeo Milano. Peut-être que Simon en trouvera, Ouais, des espèces de mais faux c'est voilà, c'est le accrochages. 18 avril à Milan. Une nouvelle Alfa Romeo, quand même, à chaque fois, ben on se signe, hein, on espère toujours beaucoup. Alors, les plus connaisseurs, vous le savez, ça sera donc la même base que l'Epsilon, la 208, 208. la Fiat 600, sauf que elle sera proposée à la fois en électrique avec le fameux module 50 kWh, la 52 kWh, 156 chevaux, mais tu l'auras en thermique aussi. Et ça, c'est quasi officiel, en thermique, il y aura une version Q4, c'est-à-dire qu'elle devrait reprendre le petit 1 litre 2 là que tu as essayé Bientôt. micro-hybridé, mais tu pourras avoir une version 160 chevaux avec deux moteurs électriques pour qu'il y ait 4 roues motrices. Bon. Elle peut être rigolote avec Elle une peut, boîte voilà, non mais automatique 6 voilà, vitesses, en double gros, au-delà embrayage. des infos techniques, c'est quand même, enfin, tout le monde croise les doigts. Alors, les plus sceptiques vont dire, ah, c'est la même base, enfin, où va Alpha? Mais pour eux, c'est stratégique parce que, ben, en dessous du Tonale, c'est, voilà, ils attendent. Je sais pas comment les Pour les gens, pour alphistes. l'instant, les gens arrivent petit à petit. Ça parle déjà de T-Roc, de Volkswagen. On va en parler. On va avoir 45 minutes costaud pour en parler.
Autre petite news, mais comme dit, j'aurais pu en faire beaucoup, beaucoup plus encore sur le groupe Renault. C'est juste qu'on a eu les prix de 1 du Duster et de 2 de la Spring. Ah oui, Duster, je fais Spring, très, très, très court le Duster. Normalement, il va être sans option, juste avec la clim, à 20 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce qu'ils aimeraient bien un prix plus bas. Et par contre, la Dacia Spring, là, alors vous le savez, Dacia Spring, elle est faite en Chine, donc elle n'a plus de malus. C'était un peu le bon plan de l'acheter plus ou moins il y a un an. Elle n'a plus de bonus. Ah putain, la lapsus. Voilà, il y a que vieilli, quelques. Vieilli, voilà. Et donc, du coup, vous savez, avant, elle avait aussi un tout petit moteur, hein, c'était 45 chevaux. Maintenant, de base, elle a un moteur de 65 chevaux, ce qui est quand même un peu plus sympa. Et elle n'a que augmenté de 500 euros. Ce qui va être intéressant, ça va être par rapport à l'IC3, qui elle aura un bonus. Et en gros, elles seront concurrentes à quasiment 1000 euros près. Donc ça va être le grand truc, on espère, d'ici cet été ou à la rentrée. Quel choix faire entre une Spring et une IC3, sachant qu'IC3 est plus grande, que la batterie est plus costaud. Voilà. Mais c'est assez drôle, bonus, pas bonus. Pour info, le simple fait de supprimer le bonus début janvier, j'avais vu dans les stats de vente que Spring avait pris cher. C'est quand même encore... le marché, il est encore soutenu quand même. Il est dopé à la prime. Dès que tu en enlèves... Ça redescend. Mais là, comme on arrive avec des prix, l'IC3, je pense que tout le monde, enfin chez Citroën, ils croisent les doigts, à mon avis, à mort, parce qu'ils vont arriver, ils vont taper fort avec des modèles à 18 000, je crois. Enfin, il n'y aura que deux finitions sur l'IC3, tu sais, ouais. Il y aura U et plus. Normalement, avec le plus petit modèle, on va voir avec le temps, avec le bonus, normalement, on va être à 19 500, donc à 1000 euros près ou 500 euros près de la Spring. Tu commences à revenir dans des prix. Avec une batterie quand même, avec 20 kWh en plus, avec une voiture un peu plus grande. Voilà. Alors toi, tu peux lire ce que disent les gens, je sais pas si moi je suis trop loin, tu vois, mais je n'arrive pas à les lire. Mais j'ai une dernière news, moi, qui est marrante, tu vas voir. Ils veulent parler du groupe Volkswagen, ils sont attaqués sur le groupe Volkswagen. Alors, en même temps, la vignette, elle est. Ah ouais, non, mais de toute façon, on fait nos petites news, hein, c'est important, je te laisse faire la tienne et puis on finira avec une news. Non, mais il y a une news sur les deux roues, parce qu'il fait lien avec un sujet dont on est très content, toi et moi, qui va passer le 19, hein, c'est-à-dire le vendredi des vacances, en fait, Peugeot va. A présenté un prototype de 103 électrique, tu sais, de petite mobilette, quand tu la vois, elle n'a rien à voir en termes de look, elle est juste inspirée, elle a la couleur orange. Ah, mais elle est mignonne, elle a une bonne petite gueule. Elle a une super gueule, mais surtout que nous, on est allé voir une société française qui a été montée par trois jeunes, qui s'appelle Noil, ça veut dire pas d'essence, pas d'huile, qui homologue, ils font du rétrofit de 103, de Solex et même de Piaggio. Ouais. Et bientôt de C1, de C1 BMW. Genre, ouais. Et eux, ils en ont déjà vendu plus de 1500 parce que c'est pas trop cher pour entre 200 balles et 500 balles, suivant si tu as les aides, etc. Quand tu as un vieux 103 qui dormait dans une grange, ils les restaurent, ils les électrifient, ils te font bénéficier des aides, ils te sortent une carte grise. Enfin bon, ouais, et vous verrez, c'est super. Important. Et c'est vrai que de voir Peugeot, du coup, qui relance son. Le 103, ça m'a fait marrer, voilà. Ouais, non, mais en fait, c'est la super bonne mobilité. On s'en rend compte en ville, quelque chose qui a une autonomie de plus de 80 km, qui va à 50 km et qui ne fait pas de bruit. Ville, je suis sur plein de déplacements en province, enfin, à la campagne et tout. Enfin, vous verrez dans la vidéo. On va le faire à la campagne sur les compteurs 70 à 50, tu vois. Non, mais il y a l'ICA, il y a le Scoot et tout. Enfin, vous verrez, c'est super ce qu'ils ont fait. Mais je pense que tu veux nous parler du retour des pompistes chez Total Energy. Alors, on a de la chance. T'as vu ça quand j'ai amené ça? C'est notre premier live sponsorisé. Ouais. Donc, déjà, on remercie Total Energy qui nous soutient sur ce live. Parce que mine de rien. Sur d'autres vidéos. Et sur d'autres vidéos, mais c'est vrai que des lives, ça fait peut-être presque 6 mois, 1 an, on commence vraiment à en faire. Tous les mois et voilà, ils sont encore une fois avec nous. Et en plus, pour un truc très cool, on arrive dans la période des vacances et les bornistes, les pompistes, appelez-les comme vous voulez, reviennent. Donc un vrai service, en fait. Dans le temps, quoi. Ils ont des petites casquettes, ils arrivent, et c'est surtout pour aider les gens à faire le plein en électrique, savoir comment charger, quelle puissance, mais pas que. Ils peuvent t'aider à aller, si tu veux commander un truc en boutique et que tu restes dans ta voiture. Sur place, tu peux faire le click and collect avec ton application, tu dis je veux un sandwich, tu as un contrat, etc. Voilà. Et ça arrive chez toi. Et c'est directement la voiture. C'est pendant toutes les vacances scolaires, mais toutes zones confondues. Ouais. Et je crois que c'est 85 stations qui sont équipées. Je crois qu'au final, si on n'avait pas de chercher, mais je crois que c'est plus de 300 bornistes. Ouais. Ça sera tout cet été aussi. Et c'est ce que je disais, moi, les pompes reviennent à la mode. Mais quoi, je trouve ça cool parce que. Place to be. C'est vraiment à l'ancienne. Alors, il y a quelques dom-toms qui ont encore le côté pompiste. Là, le fait que ça revienne en métropole et qu'il y a ce côté service. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils peuvent vous conseiller s'il y a un problème. Et pareil, quand il y a beaucoup, beaucoup de voitures, beaucoup d'afflux, ils vont pouvoir un peu mieux gérer
les bornes et les flux. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude, mais tu as encore des gens pour qui aller faire le plein en électrique une première fois. Ils vont à 100%, 100%. Des fois, il faut mieux repartir à 80%. Mais c'est, c'est drôle parce que pour moi, c'est du bon sens absolu. Tu vois, des gens qui se disent content de les voir revenir, de voir revenir les pompistes. Il y en a qui disent PO, c'est magique, merci. Mais ce n'est pas tout. C'est vrai, parce qu'attends, juste un truc, mais ils ont eu 4 ou 5 minutes sur France Inter. Ils interviewaient des bornistes et souvent, ça crée de l'emploi. C'est des gens, tu vois, alors c'est des emplois saisonniers, mais enfin bon, c'est bon. Et ça crée aussi un peu du social, je trouve, c'est important, tu vois, parce qu'on le voit, nous, on la charge souvent. Tu cherches ton truc, t'attends et tout. Et ce qui est bien aussi avec les bornes Total. Énergie. Total Énergie. Ce qui est cool, c'est que nous, on va bientôt le tester. Donc, on vous dira quand on va tester les bornistes. Mais il y a aussi l'offre Charge Plus, parce qu'on le sait que quand on recharge, les gens ont différentes cartes, tu ne sais pas si tu payes avec ta carte et tout, tu as l'offre Charge Plus. Il y a deux offres, on vous invite à aller regarder l'offre classique. Je précise, en fait, c'est en gros, confort. C'est la carte pour charger. Ah. Tu la mets, c'est t'as sur 100 carte, 000 bornes. Voilà. Ça te permet de charger à 100 000 bornes. Ça t'identifie immédiatement, tu n'as pas à te à rentrer aux coordonnées, ils savent que c'est toi. Et tu fais ton plein et ça, directement, ça va sur ton compte. Et dernière chose, c'est vraiment un peu en mode bon plan parce qu'on on a beaucoup travaillé ça avec Total Energy pour vous en parler. La dernière chose aussi, ce qui est bien, c'est l'application. Si vous avez l'application, vous pouvez regarder quelles bornes sont disponibles ou pas. Vous pouvez mettre votre carte. Enfin voilà, c'est très 360. Et la carte, c'est 19,90 €. On arrête après, mais il n'y a pas de surcoût après, etc. Voilà, ça dure pendant un an. Et il y a une version confort, je crois, où elle, là, tu payes un abonnement, mais dans ce cas-là, tu as le droit à l'assistance pendant un an si tu as un problème sur ta voiture. Et surtout, tu as 5% de réduction sur les charges des voitures. Voilà. Tu as même du dépannage. Bon, on va s'arrêter là. Mais... Surtout quand ils m'ont parlé de ça, nous, on ira interviewer un borniste pour leur demander ce que les gens disent. Normalement, on va faire ça bientôt, mais on diffusera sans doute ça pour les vacances, les grandes vacances. Les bornistes, c'est pendant les vacances. Donc là, c'est jusqu'à la fin des vacances de Pâques, mais ça va jusqu'au 8 mai. Ça va être cool. Je suis curieux de voir comment c'est et tout. Un petit coup sur toi, le pare-brise. Tu peux lire, je suis toujours très curieux. Non, mais les gens sont contents. Tu vois, il y en a qui sont contents de revoir les bornistes. Et après, il y a des gens qui veulent qu'on parle du grand sujet. On a fait nos premières, ça fait combien de temps déjà? C'est ça, on se tient. Tu vois, 15 minutes, c'est vraiment 15 minutes. Et maintenant, 45 minutes sur... Où va Volkswagen? Le titre, déjà, je trouve qu'il est... Bon, on va passer de l'autre côté, alors. Quand on passe de l'autre côté, ça rigole plus. Voilà, c'est ça. Alors, hop. Tac. Attention, Simon à la prod. Alors, c'est un sujet qu'on voulait faire depuis longtemps parce que j'ai presque envie de dire, à chaque fois qu'on fait un essai un peu Volkswagen ces derniers temps, en conclusion, quand on en parle ensemble, on est en mode... On n'est pas les seuls, honnêtement. Bien sûr. Mais c'est même pas que ça se pose des questions. Négatif, c'est juste le fait qu'on a envie d'en parler et en parler aussi avec les petits observateurs. Alors, je vérifie. Est-ce que je peux juste, pour poser le débat, parce que le fait même de dire où va Volkswagen, avant de le lancer et de lire vos... C'est de remettre quelques chiffres, notamment en France. Parce que, en fait, le paradoxe de la marque, c'est que si tu lis les bilans 2023, leurs résultats sont assez bons. Rien que pour la France, j'ai repris les chiffres qui ont été communiqués. C'est juste pour comprendre. Mais... On a nos petites notes. Mais en deux mots, pour comprendre, ça reste quand même la première marque importée. Ils ont, 6,8% de parts de marché. Et Volkswagen a vendu 120 000 voitures, 120 225 en 2023. Et en plus, là, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas inactifs parce que tu as... pratiquement depuis le début de l'année. Donc, tu as le nouveau T-Cross qui est en train d'arriver, le Tiguan, la Passat qui est maintenant plus qu'en break et en hybride. Je vous invite à aller voir sur la gamme ID, on avait fait une vidéo ID7, ID3. Donc, globalement en France, et même les chiffres montrent 2023, si tu regardes d'un niveau purement comptable, on peut dire ça va. Mais, et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le propre patron de Volkswagen a dit fin novembre 2023, il s'appelle Thomas Schaffer, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est lui-même, et c'est très fort de dire ça quand même, tu vois, il a dit Volkswagen n'est plus compétitif. Notre marque n'est plus compétitive, c'est-à-dire qu'en gros, on produit des voitures trop chères et il faut qu'on arrive à faire 10 milliards d'économies d'ici 3 ans. Ça, c'est eux qui le disent. Voilà. Ceci posé, si tu veux, voilà, ça permet de donner là, des données chiffrées reconnues par tous. Et moi, je lance tout de suite le débat. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'amoureux d'auto, ça fait un moment qu'on n'a pas des envies sur Volkswagen. Tu vois, tu dis « Ah ouais, c'est super cool et tout. » Je lis tout ce qui sort, c'est des bons produits, mais on a l'impression qu'ils ont clairement perdu leur mojo, tu sais, de le truc qui fait que
Tu dis ouais, et c'est là où j'attends les... Je te laisse reprendre, non, mais voilà, ça pose un peu les choses. Pose des questions, là c'est vraiment un débat. Mais effectivement, peut-être partir sur un côté un peu chronologique aussi, tu vois, mettons de l'eau dans le moulin. Il y a eu le Dieselgate qui a fait très mal, et il y a aussi Tesla depuis 10 ans qui fait mal avec l'électrique. Et ils se sont retrouvés... Et les Chinois. Là c'est la version presque... Les Chinois, c'est 2023-2024. Là, c'est 2015, on va dire, il y a tout ça qui se passe jusqu'aux années 2020. Nous, on s'en est rendu compte, moi je me rappelle, on s'en est rendu compte une des premières fois, c'était avec le T-Roc. La première version du T-Roc, phase 1, aux essais press, tout était dur. Là, on s'est intérieur, dit. Intérieur, tu veux dire, enfin tout. Et là, c'était déjà un peu compliqué parce que le propre même de Volkswagen, c'est en guillemets d'en avoir pour son argent, voire plus, qui a le côté presque un petit peu statutaire, mais presque premium en fait. Ils étaient à chaque fois pas très loin du premium. Et puis en fait, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, moi j'ai aussi regardé des chiffres, c'est que la Golf, ce qui est intéressant, j'ai tous les chiffres. Est-ce que je peux juste, puisque là je vois 2000 Lausanne, les ventes de VW en Europe sont bonnes, les idées se vendent toutes. Et d'ailleurs, la Skoda Enyaq est numéro 2. On est bien d'accord que là, on parle de la marque Volkswagen. C'est vrai que si à chaque fois, on parle du groupe, Cupra, si on rajoute justement Skoda, c'est une autre… je tiens à préciser, parce qu'effectivement, quand ils consolident les chiffres, et encore une fois, c'est ce que je disais, les chiffres ne sont pas mauvais. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, vous, votre ressenti sur, on va dire, l'appétence des produits. Mais je te laisse continuer la chronologie. Effectivement, Dieselgate, problème de qualité où ils doivent faire des économies. Tout le monde le disait. Mais où sont passés les plastiques moussés, Cédric, si tu nous entends, ça avait fait mal. Et puis arrive la gamme idée. Et puis juste sur les chiffres pour finir, en 2023, il y a eu des chiffres qui étaient bien. Mais là, sur le début d'année 2024, on a à moins 29%. En fait, les chiffres 2023 étaient un petit peu gonflés parce qu'ils n'ont pas pu avoir toutes les livraisons de 2022. Donc 2023, c'était une super année. Donc, prendre ça en compte. Et pareil, pour finir sur les chiffres, sur le thermique, ça se passe bien, mais sur l'électrique, ça se passe plutôt mal. Il y a aussi ça à prendre en compte. La Golf, ça a toujours été un marqueur incroyable de Volkswagen, qui a toujours été dans les tops, voire la voiture la plus vendue en Europe. Et là, en fait, ça fait depuis 2021. Elle est en train, là j'ai les chiffres de 2023, tu vois. Ce qui est incroyable, c'est que, là, je suis 2023, d'abord, tu as la Tesla Model Y, le Sandero, et en troisième, c'est pas la Golf, c'est le T-Roc. Donc ça aussi, ça veut dire beaucoup. Alors, les SUV ont la cote, mais la Golf est 9e. Donc ça, c'est un des premiers marqueurs. La Golf, quand on l'a essayé, moi, ce que je trouvais drôle aussi, c'est que pareil, on s'est rendu compte que déjà dans le design, ils étaient moins justes que ce qu'ils ont toujours réussi à faire. Là, ils l'ont restylé, ils lui ont enlevé la paupière qui tombait. C'est comme les cernes, là. Petite. Et il y a plein de choses à dire sur la Golf. Donc, je vais pas... Pareil, tu sais, c'était pas peint en dessous du capot. C'est des petites choses, tu vois, petit à petit. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte. Sur l'ID3, pareil, quand elle est sortie, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Ce qui est intéressant, c'est que là, depuis à peu près 2 ou 3 ans, ils remettent en cause un peu tout ce qu'ils ont pu faire. Ils baissent les prix, comme pas possible. Sur la gamme ID, c'est entre 1 000 à 10 000 euros de réduction. Et ils remettent un peu de plastique moussé où il en faut parce qu'il en manquait. Mais et je dis que ça ne va pas suffire. Et le plus frappant, par exemple, là, je finis sur la Golf parce que c'est quand même un gros bout, la Golf. Sur la Golf, ils ont remis des boutons physiques sur le volant. Il y avait vraiment des boutons tactiles qui avaient quasiment plusieurs fonctionnalités par rapport au fait si on appuie ou si on effleure. Là, finito, on remet du... Mais ça, ils l'ont reconnu niveau de la direction. Et pour essayer de booster les ventes, parce qu'elle ne se vend pas bien, la Golf, ils essayent d'intégrer du chat GPT. Tu vois, ils essayent de mettre des petits trucs comme ça. Et dans l'autre sens, là, je parle un peu groupe Volkswagen, Porsche arrête de bosser avec Cariad. C'est eux qui bossaient en fait sur les systèmes d'exploitation de Volkswagen. Il y a eu 2000 pertes d'emploi. Et ils vont vers Google. En fait, c'est plein de petits marqueurs de « on n'a plus trop la main ». Je lis les commentaires. En même temps, ça me fait rire. Il y a Charles Latan là, qui dit « le savent-ils eux-mêmes où ils vont ?» Et c'est marrant, il y a quand même des gens qui disent « ouais, mais l'ID Buzz, c'est pas mal. Et pourquoi ils n'ont pas fait une coccinelle ?» En fait, au-delà de ce qu'on dit sur chaque point, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une boussole qui a été perdue. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent, ils disent « ouais, on était trop cher ». Oui, on n'a pas assez rentable sur nos modèles. Les qualités, ils reconnaissent. On revient en arrière pour remettre des plastiques, enfin de la qualité qui se sent, qui se touche. Nos systèmes logiciels n'étaient pas… Tout ça, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Mais au-delà de ça, à chaque fois que tu corriges, tu as un coup de retard. Mais en fait, tu ne sais pas où la marque t'emmène. Et mine de rien, surtout Volkswagen, qui était une marque très puissante dans son imaginaire… C'est ça qui est très compliqué et tu te rends compte qu'il y a quand même une part d'irrationnel, alors qui est sur une base rationnelle, de choses qui n'étaient pas à niveau, mais qu'aujourd'hui, moi, tu m'as dit une phrase très forte, on a essayé une Audi, alors c'est le groupe Volkswagen, mais tu m'as dit, en fait, je ne vois plus quelle est la promesse des Allemands aujourd'hui
sur les voitures qu'ils proposent, au-delà juste de technique pour technique. Parce qu'effectivement, sur ce créneau-là, bah, tu as les Chinois qui font aussi bien moins cher. J'ai des chiffres. Et tu as Tesla qui, tu vois, Planté le clou, mais. Voilà, à 10 encablures d'avance. Et eux, ils sont au milieu et trop cher. C'est pas que c'est mal, mais t'es pas. Et c'est super compliqué parce que l'Allemagne, on va dire, les Français, ils avaient toujours, ils vendaient, on va dire, un état d'esprit, hein, je caricature, mais. Et l'Allemand, il était sur la dash technique, tu vois, et c'est un peu perdu. Donc, là, tu parles des Chinois. C'est la première fois, c'est la première année en 2023 que BYD a dépassé le groupe Volkswagen en Chine. Ouais. Et ça, enfin, c'est des marqueurs. La Golf, le fait de se faire dépasser en Chine. Pareil, ils voulaient tabler à plus de 10% de voitures électriques. On est difficilement à 6 dans les meilleures années. C'est plein de petites choses. Et moi, c'est vraiment des détails, mais tu vois, à l'arrivée du T-Roc et un peu sur cette Golf, ils commençaient à s'amuser. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, à mettre des espèces de stickers sur les planches de bord de couleur, tu vois. Alors qu'à base, Volkswagen, c'est la rigueur germanique, tu vois, c'est sobre, c'est noir et tout. Et là, il y a un côté genre, on est un peu pétillant et tout. Sauf que, entre guillemets, on sait où, on sait pas faire ce genre de choses. Et ça n'allait pas, c'était très étrange parce que tu te retrouvais avec du plastique peint gris dur avec des stickers jaunes dessus et t'as acheté une T-Roc à 35 000 euros. Et non, mais c'est très étrange en fait. Et c'est pareil, l'ID3, j'en ai parlé longtemps sur l'excès de confiance. Et tu as commencé comme ça. Est-ce qu'on a une envie d'ID3? Ce n'est pas une mauvaise voiture. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Là, quel Volkswagen vous fait envie? Il y a une remarque là. Alors, j'ai lu que je trouve assez pas mal de Jean-Luc Maillet. Il dit complètement d'accord sur les idées. Il manque de caractère face à la cousine chez Cupra. Il n'y a pas photo. Je trouve que c'est intéressant de parler de Cupra. Ouais. Moi, j'ai jamais été sensible, mais ça cartonne. On l'a déjà dit. Hein. Seat, la marque va disparaître. Enfin, elle fera surtout des deux roues, des outils de mobilité. Appelez ça comme vous voulez. Et Cupra, ça a pris. Qui a lancé Cupra? Luca Di Meo, avant d'aller chez Renault. Voilà, il est fort. Et quelque part, là, ça passe très bien ce design. Alors que c'est la gamme ID, relookée, rebadgée. Un logo, ça ressemble à Avenger. Voilà, et là, ça passe. Donc, comme quoi, tu vois, c'est un équilibre. Mais moi-même, j'aurais pas misé un copec. Hein. Je reconnais sur Cupra, j'aurais pas cru. Donc, je suis pas dans la cible. Et tu vois, je lis aussi, je sais plus qui disait tout à l'heure, mais ouais, mais la Golf, regardez, oui, c'est Florian. Il dit, il n'y a pas de cabriolet, il n'y a pas de trois portes, il n'y a pas de. C'est vrai qu'aussi. Ils ont une grande gamme quand même, mais c'est vrai que sur la Golf, il n'y a plus autant de choses qu'avant. Bah ouais, ça, le seul. Avec un T-Roc en cabriolet. Ouais, un cabrio, ouais. C'est étrange. Et l'idée Buzz, tu vois, enfin, souviens-toi, nous, on s'est fait, Simon qui est avec nous là derrière, que vous pouvez saluer. L'idée Buzz, la vidéo, on se faisait quand même. Enfin, les gens étaient très critiques sur l'idée Buzz en disant c'est beaucoup trop cher, c'est pas la plus réussie des idées. Voilà, alors que nous, c'est celle qui nous a le plus amusé, tu vois. Et puis le truc qui revient aussi beaucoup, que ce soit dans les essais qu'on voit, beaucoup de gens disent Koda a remplacé Volkswagen. Ouais. Et c'est vrai que Volkswagen, on n'attend pas d'une Volkswagen qu'elle soit spécialement pétillante, colorée et tout. J'enlève la coccinelle, ça n'a rien à voir, c'était un autre temps. Et là, avec ce qu'ils font, on dirait que. L'acheteur de Volkswagen, on va dire depuis 20 ans, il est perdu aussi parce qu'il ne retrouve pas ses petits. Donc, il va chez Skoda. Donc, s'il a plus de budget, il va se dire il va chez Audi. Mais ce qu'ils font depuis quelques temps, d'ailleurs, je trouve que c'est le plus juste, c'est là où je voulais en venir. On commence à avoir des spy shots, on a un petit peu vu l'ID2. Tout le monde l'attend, c'est tout le monde ouais. Dit enfin, tu vois, c'est mais, qu'ils appelleraient Polo. Hein. Ouais. Et tout ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils sont en train de l'assagir. Ils sont en train de faire une Volkswagen d'avant. Mais on le voit aussi avec la Passat. La Passat, on dirait une Golf 7 de l'avant. En fait, j'ai l'impression que, pareil sur les écrans, ils sont en train de revenir à des choses. Pareil sur les boutons tactiles. J'ai l'impression qu'ils sont en train de rebaisser les curseurs. Il y a eu un excès de confiance, je ne sais pas comment parler de ça, dans la fin des années 2010, avec on va révolutionner l'électrique, on va revenir avec la coccinelle numéro 2, ça va être l'ID3, ça va être plus qu'une voiture. D'ailleurs, un des petits observateurs avait fait la pub en 2006, c'est un des premiers commentaires, j'ai vu ça. Il a fait une pub en 2016, pardon. Et en gros, le slogan, c'était plus qu'une voiture, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, tu viens avec tes grands souliers comme ça, en ayant beaucoup de confiance. Et finalement, bah, on voit où on en est aujourd'hui. Et c'est peut-être encore pire d'une certaine manière. Quoi. Je vais essayer de le retrouver. Je crois que je ne sais plus, il y a quelqu'un qui disait « Avouez que la qualité est en train de remonter ». Oui, ouais. On le voit, ils le disent tous, ils ont réinvesti dessus. Mais ce n'est pas suffisant. Il y en a un qui dit la nouvelle Golf d'aujourd'hui, c'est la MG4. Là, j'ai pas eu le temps de lire les noms, c'est Wavade. Mais c'est terrible ce que vous dites, mais au sens de la compact leader que les gens veulent. Moi, ce qui m'a toujours étonné chez Volkswagen, c'est que c'était justement une marque qui était capable de plaire aux bourgeois.
C'est ça. Comme au peuple, je mets des caricatures, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et on voyait suivant les modèles, suivant les versions. C'est le sentiment que j'ai moi avec la MG4, j'en vois un peu partout quand je me balade, je vois des clientèles très différentes. Alors il y a le prix, etc., mais le prix est essentiel. Alors que là, j'ai le sentiment que Golf, pour s'en sortir, enfin Golf, Volkswagen se dit, bah, faut qu'on aille retaper du CSP+, avec tiens, tous les critères. Dernier commentaire, Volkswagen est plus statué. Mais c'est clair, c'est clair. Et en fait, c'était leur point fort, en fait, si tu veux. Ce que fait Dimeo, c'est il refait les voitures à vivre avec Renault, hein, je simplifie aussi. Volkswagen, le statut, il est plus chez eux. À la rigueur, le statut, c'est Tesla, quoi. Et si tu veux la même chose à pas cher, tu prends du chinois, tu prends du MG, du BYD et que sais-je. Non, mais tu as totalement raison par rapport déjà sur la MG4. J'ai souvent raison. Voilà. Ça, c'est les gens qui peuvent le dire, qui a souvent raison. Quand tu es monté dans la MG4, tu t'as dit, ouais, c'est comme une Volkswagen, je m'en rappelle. Tu vois. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, l'intérieur de la MG4, c'est pas un. Ce qui chez moi n'est pas toujours un compliment, non, mais je veux dire, c'est sérieux. Quoi. C'était sérieux, c'était noir, c'était sobre, il y avait tout à sa place. Ouais. Les boutons, c'était un peu Volkswagen à l'ancienne, mais tu retrouvais ça. Et il y avait autre chose aussi sur le côté statutaire, et tu disais ça aussi avec la Golf. La Golf 7, tu la prenais avec la couleur un petit peu, tu sais, champagne, ni gris, ni un peu or, comme ça, avec les belles jantes. Tu la prenais avec une finition même entre deux et tout. Tu peux aller faire tes courses chez Auchan, Cora, où tu veux. Mais en même temps, j'exagère un peu, tu peux aller presque dans un restaurant ou au casino. Tu pouvais être garé, tu n'étais pas mal vu. Et ça, c'était hyper fort. Et puis, c'est l'ancien pubard qui parle, mais ils avaient des pubs qui étaient géniales. Maintenant, elles sont complètement niaises. Enfin, voilà, ça a perdu de sa substance. Mais en creux, là, j'ai vu sur certains commentaires par rapport à l'idée-buzz et tout, est-ce que Volkswagen doit faire comme Renault, c'est-à-dire relancer des marques iconiques? C'est une vraie question, tu vois. Faire une Golf, une Coccinelle, essayer de refaire ce qu'ils sont. Luca Di Meo, quand il était chez Volkswagen, il l'avait dit un mois sur la New Beetle. Il voulait aller beaucoup plus loin et on l'en a empêché. Il a été chez Volkswagen à un moment. Ils disent, ils n'avaient pas compris, il fallait refaire comme la Fiat 500 ou comme il le fait avec la Renault 5. Est-ce que ça pourrait aider, tu vois, ou est-ce que, bon, là on sent quand même que c'est un peu panique à bord aujourd'hui, le truc c'est faire des économies, c'est monter à 6,5% de marge par voiture, tu sens qu'ils ne sont pas dans le... J'ai même lu d'ailleurs info là qui est sortie, il y aurait des... Ça n'a pas été acté, mais Volkswagen se serait rapproché de Renault pour l'Apollo d'utiliser la plateforme de la Twingo. Pour faire baisser les prix. Ça s'est dit officieusement. C'est-à-dire, personne n'a dit oui, non, mais pourquoi pas, tout le monde a dit, voilà. C'est intéressant quand même, tu vois. Et c'est sûr que s'ils s'amusent à faire un truc un peu néo-rétro, peut-être que ça va être ça sur l'Apollo, hein, qui a un mélange de gueule entre une Golf 1, Golf 4, avec des petits phares LED et tout. Ça peut refaire du bien. Après, je vous pose aussi la question, est-ce que l'erreur, c'était peut-être pas de faire cette gamme ID, qui est totalement à part, aujourd'hui, ouais. Qui est totalement rondouillarde, sans avoir des CX incroyables et des consommations incroyables. Alors aujourd'hui, c'est plus facile de le dire, mais j'en sais rien, tu vois, même... Non, mais là, ils sont allés trop vite, il y avait un excès de confiance. Je précise quand même que commandant Châtel, qui n'est pas pro électrique, il a adoré l'ID7. Donc voilà, vous pouvez aller revoir. Il y a David Diaz qui dit, bonne idée, une Volkswagen Corrado électrique. C'est si rare de voir, pourquoi pas. C'était sympa la Corrado, moi j'aimais bien toutes les versions d'ailleurs. Mais on est en un peu resto-mode truc et tout. Non, mais tu vois, les gens qui ont une Coccinelle électrique, tu vois. Et il y en a un qui dit, Jérémy, il dit, Opel est même devenu plus désirable que VW. Ça, je pense que pour un Volkswageniste, ça c'est le truc qui tue. Mais en termes de look, le design Opel est plus, à mon avis, plus maîtrisé. Hein. Et tu sais ce qui est drôle, on avait fait une vidéo sur ça par rapport à l'Astra et Monsieur Paul. Et on s'attendait qu'il allait, parce qu'il aime beaucoup les voitures allemandes, on s'attendait qu'il allait adorer l'Opel Astra parce qu'elle a ce côté un peu concept car, le visor, la calandre noire. Bon, là ça n'a pas matché. Mais effectivement, en tout cas, ça va plus loin. Là où une Golf 8, presque la Golf 7 est plus réussie. Je ne sais pas ce que tu t'en penses aussi de la Golf 7, la Golf 8 avec le restylage. Ils ont mis l'écran qu'il y a dans l'ID7 qui est énorme. Ouais, alors ça, moi, c'est marrant. Là, je ne vous ai pas sorti, mais je me suis tapé tous les essais là, dans l'auto-journal que je salue à chaque fois, du Tiguan, de la Passat hybride et tout. Ils ont tous repris cet énorme écran qu'il y a dans l'ID7. De la télé. Non, mais pour moi, ça, c'était la modernité il y a 5 ans. Tu vois, tout le monde essaye maintenant de les remettre. Tu dis, mais. Qu'on les voit sans les voir, les intégrer. Ouais. J'ai envie de dire qu'avant le restylage, là, sur la Golf, c'était mieux intégré. C'était comme la classe A. Non, mais moi, je regarde. Parfois, je ne sais même pas dire les noms sur Insta. Tous les 4 matins, il y a un nouveau constructeur chinois
Ils te sortent des écrans en hologramme qui pivotent, qui sont tout petits, qui sont dans tous les sens. Enfin, les mecs, tu sens qu'ils ont… voilà. Là, tu te dis, mais la bagnole, ils ont 10 ans de retard sur ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les voitures sont pas mauvaises, mais encore une fois, trop chères et pas au niveau des autres. C'est un vrai sujet aussi. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Mais encore une fois, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de retrouver… une raison d'être philosophique au-delà du produit, de se dire voilà sur quoi je vais, tu vois. Parce que là, ce qu'ils vendent le mieux, du coup, c'est le T-Roc, qui est quand même assez étrange parce que c'est une espèce de golf rehaussé SUV, mais qui à la base est un petit peu bas de gamme et finalement qu'ils ont refait et maintenant ça fonctionne bien. On avait essayé le Taigo aussi, qui était plus fait pour pays type Brésil, Inde, qui finalement était vendu comme l'Arcana. Qui est un espèce de grand Frankenstein. C'est étrange en fait de tout ce qu'on dit là, de le dire de Volkswagen. Je te l'aurais pas dit il y a 5 ou 6 ans, tu vois. Moi, en lisant les commentaires, on voit que les gens sont dans le même esprit. Louis, allez-vous essayer le nouveau Tiguan? Oui, sûrement. Ouais. On n'a pas prévu, mais typiquement, vous voyez, si tout le monde dit ouais, essayez-le, on court pas après. Il y a certaines voitures, on se dit ah, on a vachement envie. Là, le Tiguan, on se dit ouais, on va le faire. Là, tout le monde l'a sorti, on le prendra le moment venu. Mais je suis sûr que c'est très bien. Mais pareil, le Tiguan, je me souviens, ça a été un best-seller. Ouais, c'était aussi statutaire et tout. Là, à nouveau, il y a un grand écran. Bon, ils ont gardé la même taille. Mais oui, il y a un peu plus sur l'hybride rechargeable. Je crois que tu auras 100 bornes d'autonomie. Ouais, ils répondent aux critères, mais il te manque. C'est dur, hein, quand même on a été… Même en termes de design pur, tu as l'impression qu'ils se cherchent. Ils avaient une espèce de justesse. En fait, c'est pas que t'aimais ou t'aimais pas, mais en gros, une Volkswagen, c'est une Volkswagen. T'avais une Passat, une Golf, c'était comme On a eu plein. Je suis étonné que tu l'aies pas dit. Du coup, elle a une Golf, ouais, elle a une Coccinelle, une Coccinelle. Et tu vois, elle zut le T-Roc en cabriolet. C'est ce qui est étrange comme voiture, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, il est pas moche du tout, hein, le Tiguan. Mais ça va sur une calandre un peu plus grosse. On change un peu les feux. Tu sais pas trop où ils veulent aller. Et dans l'autre sens, la gamme ID, on l'a vu sur l'ID3, ils sont en train de la rendre beaucoup plus sage qu'elle n'était. Tu sais, elle avait l'espèce de mini capot où ça faisait de voiture un peu à la Wally ou voilà. Là, ils te remettent un capot plus grand. C'est plein de petites choses où ils essayent de se rendre de nouveau plus premium. Moi, je pense qu'il doit quand même y avoir des ingénieurs et des designers qui ont la main qui tremble pour imaginer les futurs modèles. Parce que comme en gros, on dit, ouais, il faut revenir, faut toujours faire des économies et puis refaire quelque chose de sexy qui ait du sens. Et qu'en même temps, tu as la pression, surtout des actionnaires. Hein. Et puis, il y a des gros débats, vous savez, Volkswagen, même tout le groupe, mais en termes de syndicats et sur les Länder où tu as les usines, il y a des vrais débats. Il faut dégraisser. Ils ont promis qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi, mais que les gens qui partiraient à la retraite ne seraient pas remplacés. Un chiffre que j'avais lu, mais en gros, ça, c'est le patron d'Audi qui l'a dit. Mais en gros, pour faire court, quand Tesla met 20 heures pour faire un modèle Y ou un modèle S, je ne sais plus quel modèle, mais Audi met le double de temps. Vous faites le calcul, il en faut 40 heures pour construire e-tron voiture. C'est une modèle 3. C'est un chiffre qui était sorti, même si aujourd'hui, ils ont réduit peut-être à 19 ou 18 heures. Tu vois le malaise, quoi, en fait. Et donc, en fait, ce qui est le problème, c'est que les patrons, je pense qu'aujourd'hui, avant même de se dire on va faire une Golf cabriolet et tout, c'est structurel. Ils disent on est trop cher par rapport à… C'est quand des gens disent « Ouais, mais les Chinois, en 3 ans, ils ont fait plus fort. » C'est vrai, mais ils arrivent, ils partent d'une page blanche, ils réfléchissent même à des voitures où tu as moins de pièces, etc. Donc, c'est compliqué, quoi. Du coup, deux choses. On va parler de la marge après, de rentabilité. Ouais. Et pour finir sur cette gamme-là, j'ai l'article devant moi. Et effectivement, sur l'année 2024, faites-vous plaisir, on est entre 2 et 8 000 euros moins cher sur toute la gamme ID. Ouais. Donc, ils essayent quand même de tirer les prix vers le bas. Et après, le problème de rentabilité, il est grand parce qu'ils sont à 3,6 à peu près. Ils aimeraient aller à 10% de marge. Et là, en fait, tu vois que Stellantis fait beaucoup mieux, par exemple. Il leur faudrait un Tavares, ouais. Mais aujourd'hui, ils le disent, je crois que les marges, ils sont à 3,6. C'est ce qu'on reprochait aux Français il y a des années. Ouais. Ils disent qu'il faut qu'on monte à 6-5%, c'est-à-dire de marge par voiture vendue. Stellantis est à plus de 10, je n'ose pas te dire, je crois qu'ils sont les plus rentables du monde. Ils ont dépassé Porsche. Bon. Il y a une question que je trouve marrant, il y a Bobby, je ne sais pas si c'est le fils de Ewing, mais si on vous disait, vous avez 50 000 euros, vous allez chez VV, vous achetez quoi? Et lui, il dit, je ne saurais pas quoi. Moi, je sais tout de suite, la seule VV qui m'amuse, c'est l'ID Buzz, même si les gens le descendent. C'est la VV qui m'a le plus amusé parce que j'ai retrouvé la luminosité, l'espace. Je trouve que c'est nul la modularité derrière, parce qu'il devrait y avoir un peu comme dans les espaces, mais ça viendra. Mais en termes de plaisir de conduite et tout, souviens-toi,
Moi, c'est ce que j'achèterais. Elle n'a pas d'autonomie, mais cette voiture, elle est trop cool. Non, non, mais... Si, elle fait 50 bornes. Non, mais elle est trop cool. C'est-à-dire que tout le monde la voit comme une voiture qui fait 5 mètres, tel un transporteur ou un petit truc en mode cargo. Non, en gros, ça fait à peine plus grand qu'un 3008. Ça fait dans les 4,50 m, 4,60 m. C'est-à-dire que c'est une voiture familiale. Mais ouais. C'est un monospace comme on l'entend dans le temps, quoi. Moi, pour répondre à la question, je pense que... j'ai en plus, d'ailleurs, on l'essayera peut-être, mais je suis assez curieux, de prendre la nouvelle Golf, ils disent nouvelle Golf, la Golf 8 restylée, avec le nouveau moteur qui permet d'avoir une batterie de 19 kWh et en plug-in hybride. Et normalement, il y a 100 km d'autonomie. Ça, je suis très curieux, tu vois. Ça, Julien, il testera. Est-ce qu'elle est dans les 50 000, j'espère ? Je salue... Il y a des buzz, ça ne va pas, 59 000 euros. Ah merde, oui, mais tu prends quoi d'autre ? Un polo. Il me prend un prix parce que je suis robody. Non, il y a quelqu'un qui nous écrit des États-Unis, je ne sais plus où il dit, moi, je roule en Atlas, c'est vrai que c'est un modèle qu'on n'a pas. Mais je le salue parce qu'il est aux États-Unis. Je l'ai vu passer. Oui, c'est Cyril. Voilà, ce véhicule est très abouti. Skoda a fait beaucoup de mal, mais ça, c'est évident. C'est terrible d'ailleurs parce qu'on le répète, hein, on n'est pas. Mais Skoda a pris la place de Volkswagen. Ouais. Aujourd'hui, moi, pour le coup, tu vois, j'ai hâte d'essayer la Superbe. On n'a pas voulu aller aux essais presse, mais on la prendra en parc fin mai. Le Kodiaq aussi. Et moi, j'ai plusieurs fois en off, les gens me disent, mais vous savez, hein. C'est pas parce qu'ils font partie du même groupe. Les gens de Skoda, ils parlent pas aux gens de Volkswagen. Enfin, bien sûr, à la tête. Mais chacun se tire dans les roues pour faire le meilleur produit. Ouais. Et Skoda a clairement, en plus, comme souvent, ils avaient un peu plus de temps. Souvent, notamment les idées, tu vois, c'est sorti trop tôt, quoi. Donc, on l'avait fait avec un petit observateur qui était taxi, qui avait une Skoda Enyaq. Et en fait, où Skoda a pris pour moi des grosses parts de marché, ou même subjectivement par rapport à Volkswagen, c'est aussi dans les intérieurs. Tu te rappelles, l'intérieur était clair. En cuir, brun. Ouais. Tout était très costaud, un peu moussé. L'extérieur est juste comme il faut, les petites jantes alues. Tu vois, le dessin un peu de Volkswagen de 2000-2010. Et du coup, ça fait mal. Ça fait très mal. Et avec les trucs Simply Clever, le petit parapluie, les trucs quand tu ouvres les portes pour ne pas les rayer. C'est plein de petites choses, mais ça fait mal, quoi. Bobby qui me dit « Je suis plus JR que Bobby. » Donc, vous devez avoir mon âge. c'est très bien. Patrick Dufy, maintenant, je ne sais pas quel âge il a, mais… Tu vois, là, il y en a un qui parle de la E-Up. Ouais, ils l'ont enlevé, c'est une connerie, ouais. Ouais, alors là, le nouveau sur le configurateur, j'en sais rien. Il faut expliquer la E-Up, ouais, c'était la moins chère, hein, c'était sur la petite… Et qui était une des… Alors, on salue Pierre Desjardins d'Automobile Propre, qui s'amusait à faire des tours de périph'. C'est une de celles qui a le meilleure autonomie par rapport à sa batterie, donc super efficiente. Et, très recherchée en occasion maintenant, parce qu'elles ne valent pas cher. Et super efficiente, ouais. Et mais on le dit, mais pas à ce prix. Mais en fait, je crois que c'est le truc global. C'est-à-dire que par rapport à l'ID3, avant, pour moi, l'ID3, c'est la Golf électrique, pour faire simple. Il y a 10 ou 15 ans, quand tu vois une Mégane en face, Golf était largement au-dessus. Enfin, tu vois, de façon très objective, tu vois, basique, ce que, d'un point de vue statutaire, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue des matériaux. Tout. Là, aujourd'hui, ce que fait Renault avec la Mégane et ce que fait l'ID3 avec Volkswagen, ça se match, sauf que l'ID3 est encore beaucoup plus cher. Et en fait, il s'est passé plein de choses. C'est que d'un côté, tu montes, on va dire, doucement, tu tapes le dieselgate, et dans l'autre sens, tu as plein de marques généralistes qui ont fait un pas en avant gigantesque. Donc, on arrive à ce truc-là. C'est ce qu'on appelle pris en tenaille, quoi, en fait. Tu vois, là, il y a Jijatu, je ne sais pas, il dit « Je prends beaucoup de voitures en loc, les VV électriques sont des catastrophes en infotainment, je n'ai pas compris comment mettre la radio, les aides à la conduite. » Ils sont en train de vouloir changer, d'aller doucement peut-être vers Google. Non, mais je vous rassure, même nous, souvent, il faut parfois un bon quart d'heure pour trouver dans tous les sous-menus ce qu'il faut, quoi. Moi, je vais arrêter de parler d'ID3, mais c'est avec ce fameux truc de, le bouton qui est de l'autre côté et tout. Enfin, bon, allez voir l'essai, mais il y a des choses qui sont incroyables. Comment ça veut dire, pour régler les rétroviseurs, il y en a des trucs, c'est manuel, tactile, d'autres c'est tourner. Tactile, d'autres c'est glissant. Enfin, il y a 6 fonctions dans un même bouton, mais si tu le sais pas… Et le plus, c'est au niveau de la climatisation. Vous avez un écran de climatisation avec plein de boutons, avec des choses très bien faites. Le Smart Climate, si vous ne voulez pas vous embêter à faire 21 degrés auto, vous dites juste « j'ai froid aux pieds, il va faire vos pieds ». Mais bêtement, pour dégivrer l'avant, c'est un bouton, pour dégivrer l'arrière, enfin, c'est sur l'écran, c'est à droite, et pour l'arrière, c'est à gauche, c'est caché derrière le volant. Alors qu'il y a tout sur l'écran, c'est plein de petites choses bizarres comme ça. Voilà, Citigo aussi, qui fait très bien. Moi, je suis quand même très curieux de voir ce qui va arriver dans les prochaines années, parce que là, en gros, tout le monde dit, bah oui, mais il y aura une ID2, on va baisser les prix, il y aura sans doute une Golf électrique.
mais tu sens que les prochaines années vont être un petit peu difficiles en termes de s'il y a des gens de Volkswagen qui nous regardent, on ne veut pas être à charge, on essaye de... Non, mais parce qu'en fait, je vois même les commentaires, tu vois, il y a des gens qui disent les bugs avec CarPlay sur Volkswagen, c'est une cata, les commandes au volant, je ne comprends pas. Ouais. Non, mais ça peut paraître... Merci Maxime, membre depuis 63 mois. Mais non, c'est énorme. Énorme. Ça veut dire qu'on fait des lives au moins depuis... aussi. Ouais, Maxime, franchement, il sera incapable de choisir une Volkswagen. Mais alors, ouais, est-ce que les gens répondent pas trop, hein. Moi, je reste sur mon idée buzz. Ou alors, je serais curieux de réessayer une Golf, parce que c'est vrai qu'on l'a un peu enterrée, mais comme toi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne dans le lot de toutes ces compacts. Mais bon, voilà. Après, pour être positif, j'ai l'impression qu'ils tiennent le bon bout. Moi, ce que j'ai vu sur l'ID3, même s'il y a encore un petit problème de tarif, il y a beaucoup, beaucoup de mieux. Il y a du mieux sur la Passat parce qu'on en revient un peu. C'est pas que c'était mieux avant, hein, parce que j'aime pas ce côté c'était mieux avant. Un Golf 4, c'était il y a 20, 30 ans, c'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de remettre les curseurs où il faut. Pareil, là, sur l'ID2, j'ai l'impression qu'ils vont dans ce sens-là. L'ID7, ça va. Peut-être que dans les 5 premières prochaines années, on va avoir tort et que. Ouais, les mecs, vous êtes modérés. Tout d'un coup, je me dis merde, on a été trop loin. Non, mais les gens, ils décodent très très bien. Moi, j'en reviens, parce qu'encore une fois, on peut parler des heures, de technique, etc. Au bout d'un moment, il y a des trucs, t'as envie, t'as pas envie, quoi. À partir du moment où on est obligé de refaire. Moi, ce qui était génial avec Golf, c'était, on peut pas toujours se tromper. T'avais une Golf, tu disais rien, c'était, voilà, t'avais une Passat. Et ils le savent, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, ben voilà, ils sont obligés, quand tu commences à devoir rentrer, tu es au point en disant « ouais, mais moi, j'ai 1 kWh de plus, je fais 4 km de plus et tout bon, », la bataille, elle est… Tu vois, il y en a un qui a dit « mais c'est encore quand même 32 000 balles, une ID3, tout, c'est Xaou 57, j'aime bien les pseudos, ça reste encore très cher ». Encore là, ta petite batterie, le truc, moi, voilà, c'est que voilà. J'ai essayé, là, à part le malus parce qu'elle est au-dessus des 45, on est à 47 000 euros. Quoi. Ben ouais, donc tu vois, et ils leur disent « il leur manque une petite électrique », bon… C'est très compliqué, mais tu vois, à la question qu'est-ce que vous prendriez, il n'y a pas tant de réponses que ça. Hein. Tu peux aller sur le configurateur de Volkswagen. Allez, zoom, tu vas nous faire ça. Voilà, on va aller sur le configurateur de Volkswagen ensemble. Simon va vous mettre l'écran grand ou l'écran de côté, comme tu veux, Simon. Mais ça va être intéressant de pouvoir voir. Non, mais tu vois, aujourd'hui, ce qu'il présente, c'est le T-Cross, moi. Alors, je peux vous le dire, moi, il y a 150 chevaux TSI essence sur le T-Cross. Voilà. Mais bon, oui, c'est super. Mais tu vois, je regarde. Hein, quand vous avez le configurateur, on va aussi regarder ensemble et on va regarder tranquillement. Mais parce que sur le configurateur, on ne peut pas leur enlever quelque chose. Il y a quand même beaucoup de modèles par rapport à d'autres marques où il y a quasiment plus. Non, mais attends, Volkswagen, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. C'est de dire, de toute façon, la marque, elle est coincée. Jamais les représentants diront ce qu'on dit là. Ils ne peuvent pas le dire, enfin, sauf les grands patrons sur la rentabilité. Mais tu as besoin d'avoir à un moment un produit qui tire le reste. Aujourd'hui, si tu regardes, c'est que du renouvellement, hein, tout l'organe idée. Mais le Tiguan, la Passat, etc., il n'y a pas de prise de risque. Ouais, et quand c'est de recyclage, j'ai marqué nouvelle et tu as l'impression. Voilà, il n'y a pas de prise de risque. Donc, Julien Jacquet, il nous dit le configurateur. Ah, ben là, je peux mieux lire. Patrick Dufy, merci Cyril. À 75 ans, c'est cadeau. Bon, ben, j'ai de la marge encore. On est sur le configurateur. Est-ce que Pamela, comment elle s'appelait sa femme. Ah, merde, je ne vois plus les. attends, c'est bon. On allait parler de Pamela et Wings, c'est quand même. On est mieux. Sur le configurateur ensemble, ouais. Ils l'ont exactement comme nous, on va descendre petit à petit. On va commencer avec les citations. Il y a encore des up alors, comment ça se fait? C'est ça, moi je suis allé sur le configurateur aujourd'hui, encore marqué la up. C'est du stock alors? À 19 000 euros. Donc ça, c'est la petite Polo aussi à 21 000. Ils sont dessus les gens aussi, ils le voient à l'écran ouais, là? Ils le voient en même temps que nous. Tu vois ce qui est drôle par exemple, la Polo, c'est. Ouais. Ils sont venus à Bâle avec cette histoire de phare LED à l'avant qui s'éclaire tout le long. Quand tu la vois dans un rétroviseur, la Polo, tu ne vois qu'elle. Mais ils l'ont fait que sur celle-ci. Ils n'ont pas continué. Moi, je m'étais dit que ça va être leur nouvelle signature. T'auras le. Si, il y a ça sur d'autres modèles, je pense, non? Alors, tu as un peu la Golf, ouais, mais après, ça s'est arrêté. L'ID3 ne l'a pas. Toute la T-Roc Taigo n'a pas. Moi, je m'attendais que ce soit vraiment tout le temps. Alors, le Tiguan, peut-être que ça s'allume aussi maintenant. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, moi, je vois que des polos avec ça. Laisse-moi voir les questions, moi, ça me fait marrer. Bah attends, il faut que les gens. Ils en sont où, les gens? Non, mais tu peux pas me le mettre attends, sur le côté, voilà. Alors, ils en sont où? Est-ce qu'ils voient? Cyril, qui est aux États-Unis, cet énorme écran est aussi dispo dans l'Atlas. Alors, après, on a la Golf. Donc, tu vois, on a la Golf non restylée, qui est d'ailleurs plus chère, il faudra qu'on regarde. Il y a peut-être une offre sur la nouvelle Golf. 33 000 balles, la Golf, 32 000. Je sais pas si tu t'en rappelles, je sais plus sur quelle. 32 000 balles, une Golf. Putain. Je m'étais amusé, je sais plus si c'est dans la miniature, ça. Je m'étais amusé à regarder sur 10 ans, tu vois. Et 10 ans, c'est pas énorme parce que les années 2012-2022, j'avais regardé à moteur équivalent, je crois que c'était le 1,5 litre TCI, la Golf avait pris 10 000 euros.
Même finition, mêmes options et tout, tu vois. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais. Voilà. Après, on a l'ID3 qui commence à 39 000. Donc, avec le nouveau capot là, qui va quand même beaucoup plus loin. Parce que vous dites, on va regarder. Alors, attends, où, attends, on en attends. Est où. Alors, il y en a qui veulent des Hub GTI. Moi, ma Toyota est très fiable. C'est bien, il y en a toujours, ils suivent leur. Il y a un mec depuis avant, il est sur full Toyota Corolla. Ouais, ouais, il y en a qui n'arrêtent pas de dire les thermiques sont interdits à la vente en 2035 est un mensonge. Ben, peut-être qu'ils repousseront. C'est... Je ne sais pas si vous avez lu, mais ce matin, moi, je suis beaucoup de dossiers sur les. Il y en a plein qui me disent ça. Il y a, deux. Pendant que tu cherches la voiture que tu veux, le prix en fait, de manganèse, cobalt, nickel a beaucoup baissé. Après être monté très haut, parce qu'il y a eu moins de ventes d'électriques en Chine et la demande ayant baissé. Enfin, on estime que ça va permettre de baisser les prix des voitures de 20%. Il y a eu vraiment des grosses chutes. Et deux, il y a un constructeur là, de batteries qui a dit, nous, on va sortir des batteries qui auront 1 million de kilomètres de vie. Vous verrez, le problème, il sera réglé. Je vous le ressortirai la prochaine fois. Mais ça bouge beaucoup, beaucoup techniquement. Il y a quand même beaucoup d'argent sur la table. Pour faire avancer la techno et sur les batteries et tant aussi dans la façon de les fabriquer. Enfin bon, on en reparlera. Et je peux pas voir les non, tu choisis quoi sur configurateur toujours... hein. Ouais. Non mais en fait effectivement la nouvelle Golf est moins chère parce qu'ils ont un moteur essence plus petit qui fait qu'elle débute à 29, mais l'autre ne l'a plus, enfin la 8 non restylée, donc c'est pour ça qu'elle commence en diesel à 32 000. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois, on avait dit à 50 000 euros, ouais. Toi, tu n'étais pas bon avec l'ID Buzz, ouais. Et moi, je n'étais pas bon avec la Golf. Toi, tu prendrais une Golf. Non, toi, mais je ne rentre pas dedans. Pourquoi il n'y a plus les prix? Avant, il y avait les prix, elle était à 51 000 euros. Il y a Volkswagen France qui a dit, enlevez-leur les prix, là. Coupez-leur le truc, mettez-leur le... Je l'avais avant, elle était à 51 000. OK. Non, mais ça, c'est un problème. Ouais. Si ça reste des Golf, tu dis, putain, les prix des choses. Après, on va sur les SUV. Alors là... En veux-tu, en voilà. Tu as du Taigo, tu as du T-Cross. Je sais pas ce que tu en penses aussi du T-Cross, mais. Mais écoute, j'en pense rien. Voilà. Non, mais franchement, j'en pense rien. Voilà. Je roule toujours en mode. Non, mais arrête, regarde bien le truc sur Toyota. Mais non, mais j'y peux rien. T'étouffes pas Renault, il dit Xoo 67. Mais il me coupe, quoi. Je peux non, pas non, aller non, avec mais attends, non, mais on va leur poser la c'est question. C'est un live. Ils le voient en même temps. Vous prenez quoi un SUV? Toi aussi, tu peux répondre. Alors, on a le Taigo, T-Cross. Le gros, il existe toujours, le... Tiens, camionnette. Non, non, le gros Tiguan, gros, là, comment il s'appelle? Tu vois quand même que le... Mais non, le très gros, là, le... C'est le nouveau Tiguan, il ressemble à Inaudi. Non, il y a le Tiguan, il y en avait le un Touareg, très gros. Le Touareg. Un char d'assaut, le truc. Avec les freins. Ouais, mais tu vois, il est presque mieux que les Audi, je trouve, maintenant, le Touareg. Ouais. Dans le genre, hein. Non, mais je dis ça, je... Mais voilà. Ce qui est drôle, c'est que j'avais pas fait attention quand tu les vois comme ça, le Tiguan a pris beaucoup de la gamme ID. Mais c'est clair. Ouais, pas mais n'oubliez pas que c'est des trucs qui ont été lancés il y a 3-4 ans. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes écrans, qu'ils ont les mêmes... Il est là, le problème. Alors, ils prennent quoi? Ils prennent Touareg, pas de SUV, T-Roc Cabriolet, c'est collector, tu m'étonnes. D'ailleurs, sur le bon coin, enfin, les prix baissent, donc c'est assez intéressant. T-Roc Cabriolet, c'est collector, dit Village. Ma mère qui va être contente. Ouais. Je ne veux pas qu'elle prenne ça. Pourquoi? Parce que... Il y en a qui sont à fond Toyota. Ils sont payés, les mecs, il y en a qui disent « je roule en Camry je... ». La Renault 16, Christophe Fusa. Salut les amis. Oui. Bon, ben, j'ai l'impression que celle qui prend le plus, c'est la T-Roc Cabriolet. Parce que je trouve ça très étrange. Et trop grosse. Ouais. Et parce que ma mère veut faire des efforts dans l'écologie. Et je trouve qu'une voiture SUV cabriolet avec un moteur qui consomme 8 à... Parce qu'elle a une coccinelle pour l'instant, elle consomme 9 litres au 100. Je trouve que c'est un peu beaucoup quand même. Voilà. M75, comment on s'est rencontré avec Julien? Il m'a interviewé dans une émission qui s'appelait Psychotest. Psychoview. Psychoview en 2014. Et voilà. Et après. 2014. Il... Ouais, un truc comme ça, non? Putain, faut que je regarde. Non, bah, ouais, ça me fait 10 ans. 22 ans, j'avais 22 ans. Et après, il est venu quelques temps après. On m'a dit si vous voulez, je peux vous aider à filmer des trucs. On peut peut-être aider. Vous pouvez peut-être progresser. Et ça a commencé comme ça. Toujours la même connerie contre l'électrique. Certains n'ont pas accepté la fin du thermique, Frédéric. Bah ouais, les gens. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens se déchirent. Bah, ceux qui veulent du thermique, ils ont encore 10 ans peinard. Enfin, tu vois, c'est... Tu vois, il y a des gens qui sont perdus. Et moi aussi, au début, d'une certaine manière. Ah, mais ça, je suis d'accord. Benoît, là. Je suis perdu entre T-Roc, T-Cross, Taigo. Non, mais nous, on répète avant. Mais pareil, c'est trop proche comme typologie de, fin, de nom, en fait. Et, Julien, tu es de l'Est, oui, de Mulhouse. Mulhouse, je peux parler comme ça maintenant. Alors, on va faire Volkswagen. Ah, Arteon, c'était sympa, l'Arteon, ouais. Dans le genre. Mais elle n'a pas marché, alors que là, je trouve qu'ils se sont fait plaisir. Elle était cool, ouais, franchement. Ouais. Mais c'était très Volkswagen, il y avait un côté. Mais je pense que c'est plus dans l'air du temps. Mais il y a un essai sur le site POA TV, si vous allez, fait par Gaëtan. Il essaye les voitures une semaine. C'était bien fait, je trouve. Et un peu comme la 508, d'une certaine manière. 60 000 balles, l'Arteon, maintenant. Il n'a pas vu. 60 000 balles. Non, mais les mecs, mais ils rêvent la nuit.
Non, mais Peter de qualité, Hugo Cuvelier. Quoi penser de Volkswagen sur le marché? Ben, il faut regarder tout le Attends, t'as live. quel moteur à 60 000 balles? Oh, c'est une hybride Non, non, rechargeable. c'est du diesel, je pense. Découvrir. Je vais pas découvrir, je vais la configurer. À partir de 60 000 euros. À partir, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends le cuir, tu prends un tout ouvrant, t'es à 70. Purée, pour l'équipement de série. Ouais, bon, on va pas. Continuons. Pour moi, la meilleure du lot en ce moment, c'est la Superbe en hybride rechargeable. Comme ça. Non, mais elle est très jolie, les intérieurs aussi. Vous prenez quoi en shooting break? On va aller sur le configurateur, on va sur le shooting break. Vous prenez quoi en shooting break? Mais Arteon Shooting Bah, tu Break, vois, non, c'était pas. il y a la Golf qui est en SW, 32 000 euros. Ça, c'est quand même pas mal parce que ça a plein de choses. La Passat est assez réussie quand Alors, même. la Passat, il faut que tu saches, hein, elle a grandi de 15 cm. Elle fait 4,91, c'est la même base que la Superbe. Et tu Putain, ne peux c'est. avoir la Passat qu'en break et en version hybride. Donc, en gros, ils visent clairement les voitures de société. Je ne sais plus où j'ai vu un titre en disant la meilleure voiture de société, c'est la Passat. Tu vois, en élégance, là, il y a des versions exprès équipées pour les flottes. Ça vise le cadre commercial qui a besoin de transporter, etc. Mais tu l'as plus en berline et tu l'as plus en. Tu vois. Là aussi, tu sens que c'est un entre-deux, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, pas ça de bonne gueule. Arteon, vraiment, parce qu'il faut choisir. Arteon, les gosses, en vrai. Ok, mine tous les SUV, c'est vrai. La dernière, tu vois, Robin, il est de Moselle, voisin. Tu peux le. Voilà. Tu sais, ils ont des allumettes qui tiennent leurs paupières de rêve debout. Ça, c'est vrai que c'était sur la. Ah ben enfin, on parle de l'Arteon, ouais. Bon. Dallas, à notre époque, Renault, on avait trois chaînes. Aujourd'hui, il y a abondance, les automobiles de Cyril. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec avec Cyril, on a la même culture et philosophie. Je te salue. Non, mais c'est vrai. L'espoir après mon espace. Il y a quand même un truc, tu peux pas l'enlever. La magie automobile, elle a pris cher aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus du tout le même statement, ça fait pas rêver de la même façon. Et à la rigueur, ce qui fait rêver. Y a encore le Touran. Tu vois, c'est sur des versions moins chères. Alors, reviens Moi, sur ce qui l'idée me fait buzz. presque plus rêver, c'est l'idée Ah, mais buzz. moi, je le redis, en bicolore, franchement, orange et blanc. À combien commence maintenant l'idée buzz? Il marque pas le prix. Ça Ah aussi, ouais? c'est bizarre. Alors, c'est à partir de 59 000. Pourquoi 59 000. il ne le marque pas avant? Ok, à partir de Bah, pour que 59 000. tu cliques, voilà, maintenant, ça y est. Simon, Maintenant, il ils faut t'ont que tu nous identifié, montres ils un ont repéré truc. ta rétine et ils vont t'envoyer des prix toute la journée. Simon, sur le configurateur, quand tu descends, on va le faire ensemble, mais ça, je trouve super bien. Si tu vas dans Ancien modèle, je ne sais pas si tu t'es déjà Ouais, amusé à aller. non. C'est franchement. Alors, déjà, tu as une Mais photo tu peux pas les super cool. acheter. Non, mais en fait, tu as une petite fiche sur chaque voiture Ah ouais? avec des choses à savoir. Si tu veux en acheter une, ils t'en proposent en occasion. Je trouve ça incroyable. Et les photos sont super cool. Par exemple, on va aller voir la Golf 4 qui est quand même. Moi, j'avais plein d'amoureux qui avaient des polos. C'était super. Les polos dans les années Alors, 2000, tu veux voir les polos? c'était les filles canons qui avaient des polos. Regarde, C'était sérieuse et Polo bien. 4. Polo Ouais. 4. Ok? Ouais. Simon, tu peux aussi Non, cliquer celle-là n'est sur. pas belle avec les gros yeux. Celle Alors, avant le d'avant. restylage avec les deux petits phares, Ouais, comme la Lupo. la Mais regarde, tu Lupo, vois, c'était modèle bien. emblématique de la marque 2001-2000. Ça, je trouve ça super bien. Il Est-ce y a que un vous avez eu côté. des amoureuses Et en regarde, polo? Ouais. Ouais. super cool les photos, tu vois, avec des Ouais, je suis couleurs, des trucs, d'accord. des photos d'aujourd'hui, en super bonne Ah, mais moi, qualité. la polo d'occasion, je suis preneur. Hein. Et tu vois, à chaque fois, tu as le truc avec le garagiste, les révisions, avec la Polo, comme neuve, avec. Enfin, je trouve ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Pareil, la Golf 4, tu as une photo de l'intérieur, la Golf 4, Ah, mais ils se sont fait chier à mettre des mais mannequins. super bien avec des mecs, tu vois, Pour un peu être cool, il faut avoir un stylés. bonnet maintenant. Je vais mettre un bonnet quand même. T'as la barbe blanche, t'es bon, toi. Ça, c'est déjà fait. Et tu vois, Mais. regarde, ça pour moi, je sais pas si tu peux le montrer, Simon. Ça fait vraiment, j'aime pas être. L'intérieur de la Golf C'était 4, mieux non mais avant. avec les Mais éclairages bleus et tout, mais c'était là, quand tu vois canon. l'espèce de boiserie de trucs et tout, tu vois, sur la Golf 4, je sais pas, Simon, si t'arrives à Moi, la j'avais des montrer. copains qui avaient des Golf 4, c'était quand même quelque chose, Ah, quoi. voilà, là, tu vois, tu l'as, Simon, voilà. Tu descends encore un peu parce qu'on a nos T'es têtes qui trop cachent fort, tout. Simon. Mais je trouve que là. Enfin voilà, ça parle quoi. Et je trouve que ce site, pour le coup, sur les anciennes, est super bien fait. Tu vois, avec la Beetle. Voilà. Bon, on finit sur le configurateur des anciennes voitures, si j'ose dire. Ah, le Mais. Charan, oui, c'est vrai, Ouais, putain. avec Charan. Ouais. Mais Bon, j'ai moi, c'était trouvé. rigolo. Non, mais il était. Tu Super sais, cool non, ces mais photos, quand même. là, vous vous souvenez, putain, il y avait un truc. Pardon, je dis des. La pub du Charan? Non, mais il y avait. Non, 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 mais dans les monospaces, il y avait deux monospaces que j'adorais. Il y avait Toyota qui avait un truc, je pensais de Charan qui Le fait penser, mais je sais Verso? plus. Non, un gros qui était vraiment comme un œuf, qui était Je absolument m'excuse. génial. Ah, j'ai oublié, mais. Dans les années 90, c'était canon. Et puis celui, il y avait un Pontiac Transporter avec des portes électriques qui ressemblait à une cabine de Qui avait le truc un peu TGV. comme ça, là, sur le Mais côté? ouais, Ouais. enfin c'était. En tout cas, tu avais des Je crois familles, que j'avais un pote qui tu avais l'avait. l'impression de conduire des vaisseaux de l'espace, quoi. C'était trop bien.
Franchement, transport, je crois transport. Ouais, c'est ça. Crois, ouais. Canon, si quelqu'un en a un. Ah. Voilà, mais c'est génial. Tu vois, mais moi, c'est des voitures que je serais prêt à acheter. Mais regarde, avec les bulles. Non, mais, moi, mais, j'avais un de mes meilleurs potes, Mehdi, si tu regardes. Mais si quelqu'un a un transport, venait. Il l'avait en Bordeaux. Mais comme ça, c'est de la bagnole. C'est du concept. Il n'avait que des soucis. Mais oui, son père s'appelait Renault en plus. Son père s'appelait Renault. J'étais vraiment gamin, j'avais 10 ans. Et je crois que c'est le Toyota Previa. Comme ça. Dans le même genre, fait Toyota Previa. On va voir s'il y a des gens qui suivent. Simon, on est désolé. En train de te demander 25 000 trucs en même oui, temps. Oui, le Previa, merci. Il y en a un Previa. Mais un look d'enfer. Franchement, quand tu joues en termes de... Mais ouais, voilà. Ah, ça ressemble de ouf. Mais oui, c'était canon. Et franchement, l'intérieur, c'était vachement bien. Ouais. Il y en a un qui me l'a dit. Là, il m'a coupé. Je ne peux pas lire les gens, mais il y a des gens qui suivent. Je vous remercie. Attends, c'est mieux sur les côtés. Attends, voilà. Comme ça, je vais voir juste ce que les gens voient. Hop. Bénou, merci Bénou. Donc là, on voit la Pontiac, effectivement. Ça, c'est le transport. Regardez comme c'est canon. Et l'intérieur, c'était incroyable, la place qu'il y avait. Et ça se battait contre un fauteuil, porte électrique qui s'ouvrait à distance. T'avais ça dans les. Je me rappelle, il avait des soucis. Je crois qu'à la fin, elle était laissée au fond du jardin. Ben oui, parce qu'il ne savait pas. Il y en a qui. Et le Previa, mais c'est super. Moi, tu vois, moi, ça, c'est des voitures. Je ne sais pas, en ce moment, je suis Youngtimer années 80. Japonaise, américaine, je trouve qu'il y avait un côté, certaines avaient des tableaux de bord électroniques, c'était quand même super marrant, quoi. Sauf qu'il y avait un côté festif, voilà. Moi, ce qui m'ennuie dans les autos, c'est que c'est hors de prix, c'est plus festif, quoi. Donc, le Gordini, le Previa, avait le moteur sous le plancher, oui, oui. Je me souviens d'un salon de l'auto, bah, c'était cher aussi, hein, face à l'espace, on n'en vendait pas beaucoup, mais tu m'étonnes qu'on dirait un TGV. Ah oui, regarde ce qu'il a trouvé. Oh merde. Mais ça serait canon. Hop. Moi, je vais vous dire, je rêve du retour des kickars, enfin du retour de l'autorisation de faire des petites voitures. C'est ce que dit Dimeo la semaine dernière. Justement, okay. C'est ce que dit Dimeo. Faire des voitures où la législation soit moins exigeante, qu'on puisse faire des voitures avec des petits moteurs limités en taille, etc. Un peu comme la norme des quadricycles L7, quoi. Enfin, bon. Mais où tu puisses justement faire des voitures, tu peux t'amuser avec une base commune à faire des carrosseries sympas et qui des câbles, des trucs comme ça, des intérieurs. Là, aujourd'hui, c'est trop. Tu vois quoi. Ce commentaire là. C'est quoi ? Merci pour Toyota. Loulou. Ouais. Mais c'est pas. Il y a quelqu'un. C'est un copain ? Non, je connais pas. Mais il y a quelqu'un de Toyota, je te dirai après en off, qui m'envoie un SMS en disant merci. Parce qu'on fait que de parler de Toyota. Alors ah ouais, parler de c'est quelqu'un de Toyota qui nous suit ? Ouais, c'est pas. Non, incroyable. Ouais, c'est Marie. Ah, c'est Marie ? Ouais, elle nous suit. Bonjour Marie. Si tu nous regardes, mais je trouve ça très drôle. Voilà. Ah, Marie, bah, je veux essayer. Fans. Marie, si elle nous suit. Je veux prendre le RAV4. J'ai vu que vous aviez un RAV4. Le baby RAV4. Je veux faire un essai et aller faire un secret design avec Philippe. Si c'est possible de la prendre au moins 24 heures, 48 heures, je l'ai vu dans le parc. Je dis, mais on l'appellera, mais trop bien cette voiture. En mai, on l'a vu, fin mai. On dirait un petit jouet, mais dans le bon sens du terme, on dirait une voiture télécommande. Voilà, c'est franchement. Comment va la CT200H, Christophe Faisant? Alors, tu veux qu'on passe un point? Oui. J'ai failli lui faire deux heures. J'ai failli lui faire une infidélité. Je suis allé voir une autre CT200H. Ce qui était très drôle, je vais être court. J'ai essayé la CT200H d'un petit observateur. Enfin, j'ai essayé la CT200H de quelqu'un. Je suis allé faire c'était la nuit, j'avais ma casquette et tout. Et au bout d'un moment, le propriétaire de l'autre CT200H me dit, mais si vous connaissez pas la voiture, allez voir POA. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup de la CT200H. Je l'avais pas reconnu. J'ai enlevé ma casquette. Il a fait, Julien? Et j'étais mort de rire. Et j'ai failli changer de CT200H juste pour en avoir une un peu plus récente. Mais en fait, le problème des CT200H plus récentes, c'est qu'elles n'ont presque pas d'options. Sachant que la sienne était bien optionnée. Mais je perdais le Mark Levinson, qui est quand même un système audio incroyable. Je perdais les sièges automatiques. Je perdais 2-3 trucs. Et donc, pour l'instant, la mienne va encore super bien. J'ai passé le contrôle technique. J'ai fait toutes les révisions. Donc, je la garde. Je regarde beaucoup, beaucoup les RS et les IS. Les IS, pas les Audi RS. Hein, non, les RS, allez voir ce que c'est une RS 300H, c'est incroyable. Mais pour l'instant, voilà. Alors, de juste, quelqu'un dit, j'aurais bien vu Renault en Lancia Zeta. Ben, figurez-vous, qui était la version du 806. Je suis allé au ski, on avait prêté une semaine à l'intérieur Alcantara, double toit ouvrant, c'était canon, comme toutes les Lancia. Je regrette vraiment. Donc ça, c'était, voilà. Je pense qu'il faut que tu fasses un point. Pourquoi ? Sur la C6, parce qu'on a des commentaires, on a des gens dans la rue. Non, mais la C6, les gens ne suivent pas. Écoutez, la C6, je l'ai vendue à Kamel de chez BSA Garage. D'ailleurs, s'il me suit, il n'a pas fini de me payer, il se comprendra, il ne me paye qu'une partie. Et il n'a toujours pas pu réparer la panne électronique qu'on avait. C'était la 15e panne. À un moment, j'ai craqué, j'en ai eu assez, j'ai quand même besoin d'une voiture fiable. Elle s'était mise en mode défaut. On avait essayé de changer déjà la radio COM 2000, là, je ne sais pas quoi, le COM 2000. Il y a un moment, c'était trop. Ça fait un an qu'elle est chez lui. Il n'est pas arrivé à la... Voilà, il y a des moments, elle avait 220 000 km.
Et donc, je suis passé à la C5X qui me repose, qui est quand même une voiture moderne, hybride. Et voilà. Maintenant, je continue à fantasmer sur des thémas Ferrari, sur voilà, des voitures rigolotes. Mais voilà. Donc, il y a Eric qui nous dit bravo à vous, vous avez été cité, vous êtes sur le site des pilotes du dimanche chez AutoPlus. Ah bah, dis-nous Eric, on les salue, hein, en plus on parle souvent avec Baptiste des pilotes du dimanche, mais sur quoi? Sur une vidéo, sur un papier? Alors je vais aussi donner des nouvelles de la bêta. Xou, la bêta non, je ne l'ai plus, je l'ai vendue il y a un an après avoir acheté ma 2000 HF. Et voilà, et aujourd'hui quand j'aurai des ronds, j'achèterai une XK8 cabriolet, c'est quand même... Jaguar, V8, voilà, j'ai très envie. Et ma bêta, pour ceux qui veulent, je regrette, mais j'avais besoin d'argent. Et je la regrette souvent. On en parle, mais mon ex... voilà, c'est comme ça. Mais c'était une super voiture. Et ben, les voitures, ça tourne, c'est pas des choses... Alors, en même temps, j'ai passé tout le week-end en 2000 HF. Et on était trop contents parce que, en fait, c'est une voiture qui demande à rouler, quoi. Et quand on fait de la route, on est content. Venez en Saône-et-Loire pour la nouvelle Toyota Camry. Il est à fond, Loulou. Loulou, il est au taquet. Ouais. Les petits observateurs, n'hésitez pas à envoyer un mail à petiteobservationautomobile@gmail.com. Ouais. Mettre le nom de votre voiture en objet. On les lit tous, on fait au fur et à mesure. Ouais, mais c'est important de bien faire votre mail, hein, parce que t'entends, il y a des gens qui écrivent et qui disent j'ai ça. Et on trouve pas, nom, en fait. Et n'hésitez pas à mettre aussi directement votre téléphone, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous appeler tous les soirs, mais c'est plus simple. Et pour montrer des photos, expliquer un peu. Et n'hésitez pas aussi, s'il y a des retours d'expérience, de mettre retour d'expérience. C'est plus simple à trouver. Ça en est beaucoup, ça en est beaucoup. Mais c'est plus simple à trouver. Mais on peut d'ailleurs un peu parler de ce qui va se passer, là, parce qu'on arrive à 19h08. Mais dans les voitures des petits observateurs, vous allez avoir une Talbot Murena Matra. Ça, je suis trop content. Il avait écrit il y a 2 ans et demi. Hein. Donc, vous voyez. C'est dans longtemps. Ouais, c'est presque le mois prochain. Ça va passer mi-mai, oui, parce qu'on a beaucoup d'avance. Il y aura une Brera. Ouais, il y aura une Brera. Mais cette semaine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai voulu faire une Laguna. Une, ah phase, oui. Phase 2, parce que je préfère la phase 2. Et puis vendredi, on essaye, Marie, si tu nous suis, une voiture morte-née. Voilà. C'est très rare, on commence comme ça, on vous la présente, mais vous ne l'aurez jamais. C'est la GR86 Toyota. Voilà, la dernière sportive actuellement. Le montage n'est pas encore fait. Voilà. Et on allait voir Philippe, et Philippe est bavard. Voilà. 1h30 de Philippe Nemeth qui nous a parlé de cette Toyota. Et donc, c'est une super sportive, mais qui est tuée par 60 000 euros de malus. Mais on l'a quand même essayé. On peut continuer avec les petites sportives de ton côté pour mercredi prochain. La petite 106. Ah oui, une 106 Rallye. Oh là là, c'est Nicolas, s'il nous entend, de voiture. On a tourné ça début janvier, il neigeait pratiquement. Ouais. Et ouais, voilà. Et on a dû pas entre les, le capture et tout. Détail, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. On en a parlé au début de No Oil. Donc là, on va s'intéresser aussi... Les scooters, les 103, vous allez voir, c'est passionnant. Puis surtout, c'est toute une équipe. Vous allez voir, Victor, ils ont à peine la trentaine, ils sont une quinzaine. C'est ceux qui ont homologué le plus de trucs en rétrofit dans toute l'Europe. Donc, eux, ils aident d'autres grandes marques à faire aussi des véhicules électriques. Donc, ça, c'est super ce que vous faites. Merci Thomas Thibault. Saab 9000 aussi. Ça, c'est quelque chose. Fier. Ouais. Restylé. Ouais. Pas en turbo, en 133 chevaux, mais elle est magnifique. On va pas parler de tout ce qu'on va faire, mais on va finir peut-être sur le Q4. Normalement, en avril, il y aura aussi l'Audi Q4 e-tron qu'on a essayé. Vous êtes votre chaîne est top tous les deux, vous êtes les meilleurs de YouTube, un parfait couple d'amoureux, deux voitures. C'est trop marrant. Chacun de son domaine et de son époque. C'est gentil. Bonjour Touré, c'est adorable. Ouais. Venez en Corse, mais ça, je voudrais bien, moi. Ouais. Il faut qu'on essaye aussi la nouvelle Smart. Mais on va essayer pas mal de choses. On va avoir de l'Audi. Juste Voilà. On aura de l'Audi Q4. On aura du 3008. On aura le 208 avec le nouveau moteur hybride en récente. Hein. On va avoir la BYD Han. Peut-être au bout d'un moment le LBX. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Moi, je dis... Scénic aussi au bout d'un moment. Oui, le Scénic, oui. Mais la Skoda, mais tout ça, ça arrive en partie. Ça arrive, fin mai. Ça va arriver jusqu'à cet été, on en a pas mal. Et puis moi, tu vas te marrer, mais je t'ai déjà dit, tu sais ce que j'ai envie d'essayer, c'est le berlingot restylé et en diesel. Eh ouais, et j'ai envie. Il va faire les brocantes. Mais il a un peu une gueule de rifter, alors là, les gens vont être trop contents. Tu sais, toutes ces gammes ont été passées en 100% électrique, les ventes se sont écroulées. Mais c'était aussi par rapport aux moyennes de CO2. Comme là, ça va un peu mieux, ils les remettent et en diesel. Et moi, j'ai envie de construire un bon berlingot diesel un week-end en Normandie, mettre des tas de trucs et voilà. Tu parles de CO2 et tout, finito le Boxster et le Cayman. Ah oui? Ouais. Et ça aussi, je parle de voitures qui sont finies aussi. Peut-être qu'on essaiera, ça c'est la dernière, la classe A,
qui va aussi être fini en 2025. Il n'y aura plus de Mercedes classe A. Donc, un peu comme la GR86 qu'on va faire ce vendredi, il y a plein de… Ouais, mais tu vois, chez Audi, ils avaient dit qu'il n'y aurait plus de Q2, il n'y aurait plus d'A1. Il y a déjà des rumeurs. Ils disent finalement, peut-être qu'on reviendra. Enfin, rien n'est figé dans le marbre aujourd'hui. Hein. On voit bien que les lignes bougent. Donc, les automobiles de Cyril, il prend la fourmi, une G40. Oui, c'était pas mal ça, la G40, je me souviens. Ouais. La G40, ouais. On a je viens de passer d'une 206 plus diesel à une Corsa électrique et j'ai l'impression de rentrer dans le 23e siècle, Alex Penaud. Une 206 plus diesel, une Corsa. Ah ouais. Ouais, la 206 plus, tu sais, c'était une 206 avec une gueule de 207. Ouais. C'est un peu compliqué comme auto, bah, mais c'est clair. Hein. Mais j'aimais bien, je sais pas, je trouvais ça drôle en fait. Les feux à l'avant étaient énormes, ça prenait tout le capot. L'intérieur, tu avais une 207, l'arrière, c'était une 206. Julien, qu'est-ce que tu fais? Je te prête une IS300, il arrive demain. Et j'adorerais prendre une IS300, mais il n'y a pas de coffre. Et j'adorerais encore plus prendre une RS300H. Alors, Samuel d'Oliveira, on continue un peu des nouvelles sur un potentiel essai de la Lancia Ypsilon. Alors, c'est vrai que la nouvelle Lancia Ypsilon n'est pas disponible, bon, elle est en vente qu'en Italie, elle arrivera en France en fin d'année. Mais je vais être très franc, si vous allez sur la page Facebook, j'ai partagé. Il y a eu des gens qui l'ont photographiée, elle était dans la rue, la nouvelle Place des Victoires à Paris. C'est une nouvelle automobiliste que je salue, j'ai partagé leur poste. Et on la voit garée dans la rue, elle est blanche, il y a marqué véhicule d'essai final. Ça fait mal quand même. On a l'impression de voir une grosse 208 matinée d'une Corsa. Et vous savez que j'adore l'Ancia, mais... Ah ouais? Oh là là, ça fait très mal, ouais. Bah pourtant, en photo et tout, ça va, enfin... Ben oui, mais sauf que là, c'est des photos mal prises, tu sais, en vraie vie, mal cadrées, pas avec... Hein. Bon, voilà. Est-ce qu'un jour on pourra voir M. Renault envoyé en enfer par GMK dans un de ses bolides? Alors, c'est 15. Vous savez, je vomis très facilement en tant que passager, donc il m'enverrait tout de suite. Mais pourquoi pas? Parce que je ne connais pas GMK, mais à chaque fois que je le vois, je le trouve très sympathique. Et voilà, on sent que c'est quelqu'un de super, en fait, doux sous ses airs. Et, voilà. Et je dis toujours, il finira ambassadeur de l'UNICEF. Je ne sais pas pourquoi. Le problème, c'est que je ne fais pas 100 mètres. Voilà, donc. J'ai un problème d'oreille interne, mais pourquoi pas? Voilà. Alors, ensuite, avez-vous des infos présentes de l'électrification? Mais il y a vraiment des gens qui sont sur Toyota. Hein. Mais je pense, de toute façon, on fera peut-être. Drôle hein, à ce moment-là, ouais, parce que pour le coup, là, on n'a même pas parlé. On a fait quasiment 1h10 de live. Peut-être on va se quitter là. Ouais. Donc cette semaine, là, on revient avec donc, Laguna 1 et GR86, mais il y aura d'autres choses. Pour le live. Noël, les mobilettes, vous verrez, 19, ça c'est vraiment bien. Et le prochain live, normalement, s'il n'y a pas de changement et tout, comme d'habitude, c'est le premier lundi du mois, donc normalement, on se retrouve le 6 mai pour le prochain live. Merci d'avoir été avec nous. Ouais. Merci aussi à notre partenaire. On a beaucoup de chance de vous avoir. L'énergie. Ouais. N'hésitez pas à aller en description, mettre un petit lien. Et c'était cool ce petit live. Ouais. Bon, il y a Robin, il adore cette Lancia. On ne dit pas que c'est du bullshit. Hein. Moi, j'attends de la voir en vrai. J'ai envie de l'aimer. Et Alex Penaud qui dit merci. Grâce à vous, je deviens un petit peu bagnolard. Ben, ça, c'est merveilleux. C'est très bien. Quand on convertit les. C'est très bien. Allez, on vous aime. À très bientôt. Ciao. Merci à Simon qui est derrière. Beaucoup. Et puis, partagez tout. Voilà. À plus. Ciao. Bonne soirée.